Eh bien le bonjour à tous. Aujourd'hui c'est parti pour faire les nouveaux abysses du mois d'octobre. Ça va être une masterclass, j'ai déjà fait les étages 9, 10 et 11 évidemment. Ah, on récupérera ça un peu plus tard. Et donc on va tout de suite regarder, je me suis pas... C'est quoi ça? Oh non pas ça, non please. Insupportable, et ce truc là mais je sais même pas ce que c'est. Et ça aussi, en fait j'ai pas exploré la nouvelle zone. Du coup je connais pas les mobs, je sais pas ce qu'ils font. Par contre je vois vraiment ça, ça à mon avis ça va être plein de mobs. Du coup j'ai vraiment juste envie de faire un truc. C'est vraiment de tout tabasser, qu'est-ce que je pourrais prendre? En vrai je pense que je vais partir sur une Hyper Boom avec Zongli. Et on verra comment ça se passe, mais pour moi c'est la meilleure option. Oh putain yes, des sacrés, ça c'est cool ça. Puis voilà, j'ai jamais fight ce boss. Voilà j'ai essayé, alors c'est quoi ce truc? Hippocampe millénaire, bon très bien. Alors par contre me dites pas que c'est un boss qui vole partout, qui est insupportable. Genre on peut pas le toucher une fois sur 5, ce serait vraiment vraiment insupportable. Pas l'impression que c'est le cas, il perd quand même des PV malgré son shield électro. Le problème c'est qu'avec cette team, le seul moyen pour moi de péter les shields électro, bah c'est le Denro. Donc hop, Zongli lance un bonus qui va venir tranquillement battre ma team. On va faire ça et je pense que, ouais je vais pouvoir faire un E par un ulti parce que j'ai pas assez de battre. Et mec c'est cette team du coup, je suis désolé. À l'item il carry trop en fait. Enfin, c'est même pas à l'item là, c'est juste l'hyper bloom qui est trop fort. Franchement et ça a juste cassé le jeu. Déjà la vache, oh c'était rapide. Oh putain, trêve de bavardage, regardez-moi ça. Le moment que j'ai toujours attendu. Ils sont tous pas, tu vois. Alors, regardez la puissance de Tartaglia. Boum. Putain j'adore. Oh j'adore ce perso, c'est une dingue. Hop, Varchos, gaffe à mes PV quand même. Shangling, on va attirer une dernière fois avec Kazwa, on prend le piment et normalement. Bon bah ok c'est parti, on va Tarta dans le tas. Tu décèdes rapidement, s'il te plaît. Ok merci. Un mage de. Trois mages. On est mort. Je vais essayer de les faire sauter. Wesh. Dodge. C'est bon, je vais vraiment souffrir. C'est bon, genre vraiment, je vais souffrir sur cet étage. Bon, ça prend un peu de temps parce que voilà. Bah non, en vrai, Tarta, il pète trop bien les shields, wesh. Attends, mais c'est une dinguerie. Et là, juste à faire ça pour proc l'hydro. Oh là là, mais c'est incroyable. Si vous voulez, regardez, on peut même jouer Tarta en attaque chargée. Bon, en vrai, j'ai un peu la flemme. Hop, Kazwa, épée de Favonus, évident dans cette team. Et ok, moi, j'ai même pas eu le temps de faire de la batterie, tout le monde est mort, c'est super. C'était très simple, c'était très simple. Alors, qu'est-ce qu'on. Ok, bon, je vais ulti Zongli directement. Moi, dès qu'il y a une intro comme ça, j'ulti Zongli, comme ça, plus personne ne bouge et je peux tranquillement commencer ma rotation. Prions pour que j'arrête pas à les stopper. Oui, ok, c'est bon, j'ai réussi. En vrai, cette team, elle est vraiment, genre, difficile à jouer, mais elle est trop satisfaisante, sa mère. Genre là, on va E à l'item pour recharger le miroir. Franchement, c'est trop fort, j'ai rien à dire. Hop, petite attaque chargée aussi pour recharger le miroir. J'aimerais juste choper l'ulti d'item rapidement. Ok, on va prendre la petite particule. Après, on va Zongli pour Favonus le tas. J'ai l'ulti d'item direct. Oh putain, ça va être tellement bon. Je vais tellement tabasser le truc. Non, je veux juste te tuer toi, s'il te plaît. Ouais, merci. Allez, vraiment, c'était trop simple. Oh non, là, c'est Copolus. Et bah, vous savez quoi? Nick, je vais régène mon Bennett. Ah, j'en peux plus, frérot. Ce boss, et il me. Ah, mais non, mais là, du coup, c'est la madame qui est au milieu et le. Oh là là, j'en peux plus. Tiens! Hop, tranquillement, je vole. Vous ne me taperez jamais, bande de noobs. Ok, c'est parti. La petite rotation. Non, me dis pas qu'ils m'ont éjecté de la zone au moment. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, on va tranquillement taper. Si on l'utilise Tarta, il serait bien de se déclencher un jour. Bon, très bien. Tarta ne voit plus. Mec, Tarta, pourquoi tu cries jamais, espèce de fils de pute? Tarta, boum. Allez, chien, mec, c'est tellement fort. Ok, 3 étoiles. Eh, c'était pas long en vrai. Hein. On a eu chaud. Viens, on prend des stats crit. Alors, on va opening Zongli comme d'hab. Et je crois que là, c'est la mermaid. Ouais, c'est ça. Hop, la petite rotation à l'item. Bim, on switch. On a directement nos 3 miroirs. Et point faible, trop fort en fait. Bim, on recharge les miroirs. Elle est partie où? Reviens. Hop, j'ai une vaste impression que cet étage va être. Ah, c'est quoi ça? Opérateur Fatui du vent. Oh putain, on a ulti l'item. Let's go. Ok, alors, je vais essayer de rotation. Même si du coup, j'ai déjà lancer tous mes ultis. Je pense que mon Xingqiu va pas tarder à disparaître. En fait, je pense que je vais juste balancer la sauce. Ouais, voilà, mon Xingqiu et ma cookie sont plus là. Bon, super. Hop, on va ulti Zongli. Du moment qu'on peut réussir à faire un peu de Favonus. Hop, on va faire une petite attaque chargée pour avoir 3 miroirs. Ok, on a avec 2. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ouais, ils sont pack. Ok, bon, alors en plus, j'ai l'ulti item. Bon, du coup, on va finir sur cette rotation normalement. Si je troll pas, ouais, c'est bon. Bon, c'est pas si difficile. Enfin, genre, ils sont vraiment, vraiment plus tanky que ce que je pensais. Mais objectivement, c'est pas très difficile. Qu'est-ce que c'est quoi ça, wesh? Pourquoi il y a un ovni? La gravité ici diminue et la hauteur des sauts augmente. Comment ça la hauteur? Ah oui, d'accord, ok. Et lui il envoie des attaquants. D'accord, j'ai compris. En vrai, c'est plutôt stylé. Hop, et là du coup je dois sauter. En vrai c'est stylé, j'adhère. Hop, on va faire la petite rotation classique et l'ulti arc parce que j'ai besoin de batterie avec cette team. Étant donné que mon Tartan a que 110%. Par contre c'est quoi ce boss? Il est flingué au sol, wesh. Non, il fait très mal, ok, je retire tout ce que j'ai dit, je comprends vraiment. Rien ce boss. S'il fait rien, je ne me plains pas. Ok, il vient de me bombarder d'un truc, je sais pas trop ce que c'est, j'ai réussi à dodge avec l'ulti. What the fuck, ok, bon bah très bien. Je saute, ok, le problème de Tarta Sreo c'est que il peut pas attaquer en forme combat, enfin c'est terrible. Allez Tarta, je t'en supplie, crit, let's go. Et j'ai mis un petit défi en plus. Bon allez, en vrai c'était plutôt marrant. C'était des bonnes abysses. C'était étonnamment plus dur que la dernière fois, surtout sur la fin. Mais en vrai c'était toujours facile. Enfin il n'y a pas trop de difficultés. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien à côté, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Abonnez-vous, c'est Aquagon. Ciao.